C'est parti. Ça tourne. Déclenche. Teaser. Non, attends. Vas-y, marque. Venez là, tous les deux. Je vais marcher derrière vous. Et arrivé devant l'école, je vous interroge. On y va. Qu'est-ce qu'on vient faire exactement ici? Nous allons essayer d'auditionner un élément essentiel à une personne qui va peut-être porter un alibi, Stéphane Marty. Cet élément peut constituer un élément nouveau susceptible d'étayer un recours en réunion. C'est très important. Le moyen j'ai senti. Je voudrais voir Madame Olga Mondillo. Oui, c'est la barre de Monsieur Moreau Rogemar. Merci. De qui au parlement. Merci. Fort agréable. Donc, ça peut être important. Là, je sais pas. C'est peut-être important parce que le jeune homme, oui, dont vous me confirmez que vous l'avez bien pris. Ah oui, 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 je l'ai pris. Enfin, attendez, je n'ai pas pris un stop. Oui, c'est introduit de force dans votre voiture quasiment. Il s'est jeté, oui, oui. Heureusement que j'allais très doucement et c'est après les vendanges. Et toutes les portières étaient ouvertes puisque j'avais chargé les vendangeurs. Et puis ensuite, j'ai obligé, bien sûr, de tout fermer. Eh oui. Ce qui fait qu'il s'est, dans un tournant, il s'est mis sous ma voiture quasiment, heureusement que j'ai freiné, je ne l'ai pas écrasé. Et là, du côté passager, la porte était ouverte, il est monté, il s'est installé. Comme des voitures arrivaient rapidement. Il vous a demandé de le déposer quelque part ? Ah non, il n'a rien demandé. J'ai vu qu'il n'allait pas bien, donc je me souviens qu'il portait un plâtre, je ne sais plus si c'est au bras, à la jambe ou au pied.
J'ai vu qu'il était en short. C'est un plâtre ou un bandage? Moi, j'ai eu le sentiment que c'était un plâtre, mais là, ça peut être un bandage. Je ne peux pas vous dire. Non, mais j'avais déduit qu'il n'était pas dangereux. Enfin, qu'il était moins dangereux que s'il avait été indemne. J'ai vu qu'il était en short et en t-shirt. J'ai eu le sentiment qu'il n'était pas armé parce que j'ai vu qu'il était dans un état, il n'était pas normal. Il était dans un état d'agitation extrême. Et ensuite, donc, j'ai essayé de parler avec lui. C'est pas donné grand-chose. Et... Mais que vous a-t-il demandé quand même? Il s'est introduit dans votre voiture et... Ah, mais tout ça, ça a été, disons, très bref et assez violent, je veux dire. Ça, voilà. Donc c'est pour ça que j'ai regardé s'il était armé ou pas, puisque je voyais bien qu'il était agité. Je crois que s'il a parlé, il était incohérent. J'ai cru comprendre qu'il voulait rouler, donc j'ai roulé. Et à Estagel, on a été arrêté puisqu'il y avait toute la population, fourgon de police et compagnie. Là, de nouveau, de la même façon, il a sauté de la voiture. Lorsque vous êtes arrivé, il y avait déjà un fourgon de police. Il me semble bien que c'était un fourgon de police, quasiment toute la population des pompiers, ambulances, juste des gendarmes. Me semble, oui. Hmm? Oh, attendez, peut-être que c'était un fourgon de pompiers, je sais, je ne peux pas vous dire. Enfin, toujours est-il qu'il y avait déjà... Et donc, il y avait toute la population dehors qui, visiblement, était au courant des faits, moi, pas du tout, par contre. Mm-hmm. Et donc, il est allé vers ce fourgon-là. Le crime avait déjà lieu. Ah, ça, j'en sais rien, moi. Bah, s'il y avait déjà... Ah ben oui, non, mais certainement, oui, s'il y avait un fourgon. Les gendarmes et toute la population dehors, c'est qu'il s'était passé un événement. Moi, j'étais, oui, s'il y a toute la population dehors, il y a un fourgon à Estagel pour que tout le monde soit dehors. Très bien. Et alors, votre témoignage peut être très important, parce que ce jeune homme a été l'un des accusés du meurtre. Oui, je l'ai su par la suite. Oui. Vous l'aviez su? Oui, par la personne qui a parlé de mon témoignage, puisque j'en ai parlé comme ça. D'accord. Il avait invoqué cette anecdote, qu'il était monté dans une voiture, on ne sait même pas qui. Oui, oui, oui. Et en fait, s'il était avec vous, c'est qu'il n'était pas sur les lieux du crime. Oui. Et personne ne l'a cru, donc personne ne l'a vérifié à l'époque. Ah oui, non, pourtant, ça, et pourtant, vous nous confirmez aujourd'hui que c'était bien ça, vrai. Ça, c'est vrai, bien sûr. Oui, 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 bien sûr. Oui, 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 oui. Très, très important. On va essayer de se souvenir de cette soirée. Vous allez me demander l'heure. Et oui. Le coup, non, Maxime de l'État. Attendez, je vais regarder tout de suite. Je ne vais pas retrouver forcément votre témoignage pour la bonne raison que... Ah, mais j'ai pas témoigné. Vous n'avez pas été entendu. C'est la belle-sœur de la femme à qui j'avais parlé, c'est une jeune femme qui était stagée. Oui. Donc je lui avais parlé puisqu'elle était stagée, elle me demandait ce qui se passait. C'est elle qui a parlé à sa belle-sœur qui elle a témoigné. Vous saviez que la personne que vous avez prise s'appelait... Ah non, moi je ne connais pas son nom, je ne connais toujours pas. Vous ne savez pas. Mais on a dû me le dire, mais alors... Apparemment, puisque vous me confirmez à ses dires, il s'agirait de Stéphane Marty. C'est possible. Dit quelque chose? Écoutez, des Martis, il y en avait de mon temps, quand j'habitais à Maury. Il y avait des familles Martis, c'est ça, une relation avec les Martis. J'en ai dans ma famille aussi, mais il n'en fait pas partie. Non, ce jeune homme, je ne le connais pas du tout. Ni avant, ni maintenant. Alors, je vais essayer de trouver la partie où il raconte cette anecdote. Ah, mais si quelqu'un est venu à l'école, il faut déjà me voir pour mon témoignage. Ah bon? Comme ça, il est à combien de temps? Oh, c'était à peu près un an après... Après les faits? Qui est-ce qui est... Oh là là, je ne connais pas le nom non plus. C'était un policier? Oui, bien sûr, c'était quelqu'un qui m'a montré sa carte aussi. De police? Ensemble, oui. Oui. Puisque cette jeune femme en question d'Estagel, elle en avait parlé. Mais cette personne n'a pas relevé d'audition. Votre témoignage n'a pas été pris en compte. C'est ça, vous n'avez rien signé. Ah, non, je ne me souviens pas avoir signé. C'était juste une discussion. Ici, avec le cinéma, c'était une pièce. Et que vous a demandé cette personne? On m'a demandé de relater des faits. Oui, oui. Que je crois pas plus. Il n'a rien noté, vous n'avez rien signé, et il est reparti. Non, j'ai rien signé, mais il avait un petit carnet. Oui, oui. Oui. Il a dû noter. Donc, comme c'est arrivé en 93, c'était à peu près... Non, en 94. En 95. Très bien. C'était en 94. Et vous allez me demander de me souvenir de l'heure. Ça, je sors de l'heure. Oui, oui, mais attendez. Ça se passait, je ne vais pas pouvoir m'en souvenir.
voulais pas vous faire patienter trop longtemps, mais comme c'est important... Non, non, mais allez-y, lâche. Nous arrivons comme ça à l'improviste. Excusez-nous. Oui, non, mais c'était pas mal. Midi moins 10, c'est le moment où vous avez les parents arrivent, ça va aller. Très bien. Je suis parti à pied, j'ai arrêté une voiture et me suis fait accompagner jusqu'à la place où j'ai vu les gendarmes. Là, ils ne donnent pas beaucoup de détails pour cette déposition. C'est quelqu'un est arrivé en disant que Georges avait planté le portugais. J'ai pris ma voiture et j'ai voulu aller voir ce qui se passait. Mais la femme de Georges m'a pris les clés de la voiture car elle ne voulait pas que j'aille sur place. Je suis parti à pied, j'ai arrêté une voiture et me suis fait accompagner jusqu'à la place où j'ai vu les gendarmes. Mon père était sur place, je me suis accroché avec lui, je suis reparti à l'entrecôte à pied. Laconiquement, ça semble être ça. Bon. Il était dans un état d'agitation, ce dont je me souviens, c'est qu'il était vraiment... Il était très... Et s'il a parlé, d'abord il était très fermé, je me souviens, mais il était très agité surtout. Mmh. D'accord, on va noter tout ça. Là, je me souviens quand le policier est venu il y a quelques années, je me souviens toujours pas si c'est le pied, alors qu'il me l'a dit par la suite, si c'était le pied, enfin la jambe ou le bras qui avait dans un plâtre ou un bandage. Mmh. Moi j'aurais dit plâtre maintenant. Mais... Mmh. Donc ça doit être un bras parce qu'il était en short et en t-shirt. Oui. Ouais. Il ne pouvait pas, donc, vous voyez, par élimination. Est-ce que vous vous souvenez de la date? Moi, ce que je peux vous dire, c'est que c'était en période de vendange, ça c'est sûr. C'était après le repas chez ma mère et que ça ne devait pas être forcément trop tard puisque je travaillais le lendemain. Donc maintenant, le jour vient. Je vous le rappelle. Maintenant, c'était le jour des événements des stagiaires. C'était le 10 octobre 1993. Oui, bon, c'est les vendanges à Maurice, c'est par chaque année, c'est ça, c'est sûr. Très bien. Oui, le lendemain, j'ai su ce qui s'était passé. Le jour du drame. C'était du crime des stagiaires. Hein, le lendemain, j'ai bien su que c'est ceux qui avaient ameuté toute la population. Je me trouvais à Estagel pour... Alors, je me trouvais deux passages à Estagel. Le lendemain, vous avez été hier. Pardon ? Le lendemain, vous avez été hier. Voilà. Oui, je revenais de chez ma mère pour me rendre. Non, je revenais d'une journée de vendange. Ah, vous faisiez le vendange? Bien sûr, c'était un dimanche, donc c'était un lundi. Ça va être un lundi ou un jeudi. Le 10 octobre. Je venais d'une journée de vendange, c'est pour ça que mes portières étaient ouvertes, sinon elles sont toujours fermées. Vendange. Alors, je circulais à bord de mon véhicule de ville. De mon véhicule auto de quelle marque? Une 105 Peugeot. 105 Peugeot. De quelle couleur? Ah là là, ça c'est une couleur, je ne sais plus à l'époque qu'est-ce que j'avais comme voiture. Arrivant au niveau de... Je crois que c'était juste vers le garage qu'il y a à l'entrée des stagiaires. L'entrée des stagiaires est mourie à l'entrée des stagiaires. Le garage situé à l'entrée des stagiaires, à l'entrée des stagiaires, en venant en direction de Maurie. Un individu s'est proposé, s'est jeté quasiment sous les voitures, c'est pour ça que je me suis arrêté. L'individu s'est pratiquement jeté sous ma voiture. Jeté devant ma voiture. On va pas dire dessous, parce que vous l'avez pas. Non, devant ma voiture, me contraignant à m'arrêter. Arrêter. Alors, on peut décrire cette tête. Un jeune homme. Un jeune homme, oui, quel âge? En fait, il avait, je crois, 18 ans. Oui, j'en sais rien. Un jeune, visible, je crois qu'il était blond. Les cheveux clairs, disons. Blond, ou tout au moins. En catalogue, il a pas vu. Les cheveux clairs. Non, il est blond, donc on ne voit pas. Cheveux clairs d'une vingtaine d'années. Oui, il y a entre 20 et 30. Une vingtaine d'années.
Je dirais que c'est le bras qu'il avait. Il avait un problème en bras. Il était propre aussi. C'est ça, le policier qui était venu, il m'avait demandé s'il était propre ou pas. Donc je m'en souviens un peu plus précisément. Il avait des vêtements qui n'étaient pas. Un bandage au bras ou un plâtre. Un bandage ou un plâtre. Donc vous ne vous souvenez pas au bras. Vous ne vous souvenez pas quel bras. Étant à côté de vous, les images que vous avez. Non, je dirais de gauche, mais je ne suis pas sûr. Ses vêtements semblaient propres. Oui, là, j'ai vu, parce que moi j'ai regardé s'il était armé, puisqu'il n'était pas dans un état normal. Donc vous voulez quand même détailler à un moment donné pour parce que vous étiez dans un état. Et c'est ce plâtre, moi je pense que c'était un plâtre, qui m'a rassuré. Un short et... Machin long. Oui, ou Bermuda. Bermuda, oui. T-shirt. D'accord. Et... J'ai eu un peu peur, j'ai tout de suite contrôlé s'il était armé ou non. Oui, j'ai essayé de voir si tu pouvais me rassurer en lui, parce que par la parole, ça ne marchait pas. Car il était très agité. Vraiment. Je crois qu'il aurait préféré mourir plutôt que je ne m'arrête pas. Ah oui, mais c'est le sentiment que j'ai eu. Ah oui? Oui, vraiment, il fallait que... C'était vraiment une aventure. Il a eu de la chance, c'était une Car il était très agité. J'ai contrôlé s'il portait une arme. Et j'ai vu ce plâtre, mais je crois que c'était un plâtre. S'il portait une arme. Et je me suis dit, il n'est pas armé, il a un plâtre. Une arme. Ses vêtements étaient de couleur claire. Il était plutôt clair, oui. Apparemment, il n'en avait pas. Il était légèrement vêtu, parce qu'il voulait faire chaud. Donc, il avait des t-shirts, des manches pareilles courtes. J'ai donc été rassuré. Et t'es rassuré et les transporter jusqu'au centre? Jusqu'au centre de stagiaire, oui. De toute façon, j'ai dû ralentir. Et je ne voulais pas me dire où il allait alors. Je ne savais pas ce que je vais en faire. Mais... Transporter? Ah oui, non, mais ça devait être quelque chose. Hein. Oui, non, jusqu'au ça n'a pas duré longtemps, hein, ensemble. Des stagiaires. Alors là, je vais vous poser la question que vous redoutez. Il était à peu près quelle heure? Bon, écoutez. C'était après le repas, puisque systématiquement je mange chez ma mère, ça doit être un dimanche soir, exactement. Je mange chez elle après les vendanges, je m'adapte pas trop puisque le lendemain j'ai l'école. Donc c'est. Entre 20h et 22h. Non, 21h et 22h. Entre 22h et 30h. Oui. Comme c'était un dimanche soir, attendez, on va y revenir. Comme c'était un dimanche soir, après un repas chez ma mère, le dîner chez ma mère. Oui. Pour les bandages, c'est toujours un petit peu plus tard le repas. Oui, en général. Je situe approximativement entre 9h et 10h30. Le créneau horaire de cet événement. Entre 9h 9h et 10h30, ça fait... Oui, c'est très large. Oui, c'est plus... Plus tard que 9h, c'est sûr. Je regarde... Ce qui est classique, c'est que ça soit plutôt 10h, 10h30. Oui, mais je crois que c'était en fait vers 9h, 9h30. Les événements. Oui, parce qu'on a la datation, les timings. Oui. Je ne veux pas vous influencer, mais. Oui, non, mais comme c'est à peu près à cette heure-là qu'il y avait les pompiers. Pour être juste, j'aurais dit entre 9h et 10h30. Bon, écoutez, entre 9h et 10h et 10h et 22h30, donc entre 21h on va marquer, et 22h30, ça c'est sûr, je ne me souviens plus exactement. Plus exactement, mais c'est normal parce que c'était en 93. Parce qu'il y avait une portière ouverte et des machines qui tombaient. C'était pas une fourrière, jamais. Lorsque nous sommes. Il s'est jeté sur la porte arrière et que tu as arrivé sur la place centrale, c'est ça? Oui, il
Il y avait énormément de monde. Oui. C'est-à-dire personne à pied, foule, véhicule, une centaine de personnes. Environ une centaine de personnes. Et il y avait ce véhicule, il y avait d'abord la foule qui était devant le véhicule. Des personnes. Il m'a arrêté de toute façon. Et un camion de pompiers. Et c'est là qu'il a sauté. Le jeune homme. J'ai dû ralentir à l'entrée donc, de la place, puisqu'il y avait fou, mais ce véhicule était juste du café. Oui. A sauté de ma voiture. Oui, sans dire aussi. Oui. Et s'est précipité. Mais sur le camion qui était arrêté, qui était en train de précipité en direction du camion. Oui, oui. Et puis quand moi j'ai réussi à traverser la foule, c'est vrai que lui était à la porte. Là. La porte de pompier. Donc je l'ai laissé là, j'ai mieux compris l'histoire à ma façon, bien évidemment, parce que je me suis remonté. Après, je vous donne sa version précise. Ouais, ouais. Ah, les faits, hein. Vous êtes sur le camion de pompier. Voilà. Moi, je suis parti, j'ai continué. Je suis alors parti. Je suis rentré. À mon domicile, c'est-à-dire à Perpignan. À Perpignan. D'accord. Alors, on va regarder maintenant comment il fait son boulot, qu'il met plus de la prison, qu'il est toujours en prison, qu'il le fait. Non, pas vraiment. Non, je ne suis pas trop préoccupé de cette histoire. En fait, qu'est-ce qui s'était passé ce jour-là? Un majorité. Comme ça, j'ai entendu parler des faits, je veux dire, à Estagé. Les jeunes gens, beaucoup. Oui, je connais le garçon qui a trouvé la mort. Heureusement, c'était un garçon qui était un peu provocateur de Garol. Tout le monde a frappé les jeunes gens, des mecs l'excitation faisant, les jeunes gens décident de se ranger un peu. Et Marty va participer avec plusieurs jeunes une petite opération vengeresse dans le sens où ils vont se rendre à son domicile et ils vont rentrer de force, ils vont casser des carreaux et de la vaisselle. À la suite de ça, ils vont partir. Et c'est là qu'il y a une différence entre la version de l'administration et la version des accusés. C'est qu'à partir de là, eux disent on a été dans tel bar, dans tel restaurant, on a fait ci, on a fait ça, je me suis fait prendre un autostop. Et l'administration dit non, vous étiez resté sur place. Et puis au moment où Georges Riel, des jeunes de Stagel doivent poignarder, que lui reconnaît les faits, oui. Et Morales, et bien vous allez venir après et vous allez lui donner encore des coups de couteau dans le dos. Alors en fait, il conteste parfaitement les faits et il donne comme alibi, notamment ce que vous venez de dire, qui ne sera jamais contrôlé, sauf, vous me dites, par un policier, mais qui ne fait pas signer un PV. C'est qui m'étonne. Je ne me souviens pas, quelqu'un est passé, il n'a pas son nom, ni date, ni rien. Je dis un an après les faits, c'est pas trop deux ou trois, parce que j'aurais jamais pensé que ces faits remontent à 94. Ah oui, oui. Alors, l'histoire est vraie. Il a eu la chance. Pardon? Il a eu la chance. Qui? Éventuellement, le jeune homme, si mon témoignage peut lui servir, il a eu la chance que j'en ai parlé à quelqu'un. Ah oui, oui, absolument. Que la compagne de mon ex-mari soit des stagiaires, que je lui en ai parlé, qu'elle allait parler à sa belle-sœur. Imaginez le compromis sur cette sens. Absolument. Tout à fait, oui. C'est fou. Hein. Ça tient à rien. Parce que... Ah oui, c'est quelque chose. Oh, c'est bon, allez-y. Merci. Alors. Je décide alors de partir sur les lieux pour voir ce qui s'est passé. Je monte dans ma voiture et la femme de la surveillée m'enlève les clés. Alors je décide de me faire amener par voiture. Ah, je me mets sur la route. Et de deux chevaux, couleur bleue, s'est arrêté. Ah, je n'ai pas eu deux chevaux, ça sort sûr que c'est de ça. Bon, ben lui, il n'est même plus. Il était vraiment super agité. Je sais pas si j'ai pas eu le sentiment. Qu'il... Non. Bah, il va être arrêté dans l'état d'alcoolémie dans les minutes qui suivent votre... Et quand il va souffler dans le ballon, ils vont le mettre en cellule de dégrisement. Bon, d'accord. Donc il avait bu. S'est arrêté et m'emmène sur la place. Et quand j'arrive, il y avait les gendarmes et l'ambulance. Là, j'ai insulté les policiers de tous les noms. Il y avait aussi le maire du village, aussi mon beau-père, un oncle à moi, monsieur Marche, Roger, Joseph Forner, Marie-Cécile, Ceinture. Et m'emmène à l'écart, il me raisonne. Et là, je repars en direction de l'hôpital. Voilà comment est-ce qu'il me décrit sa
cette scène. Alors, bien évidemment, c'est pas bien ce qu'il a fait. Hein, il est excité, mais comme tous les jeunes, d'ailleurs, la preuve, c'est que ça aboutit sûrement à un meurtre. En revanche, il faut savoir s'il a participé réellement au meurtre ou non. C'est ça qui nous importe. Écoutez, pour moi, ce qui est vrai maintenant, bon, l'horaire où j'avais voyé... Avec ce qu'il dit là est vrai. Ah, mais ce qu'il vous confirmez pris, moi, le, voiture, non, mais la scène donc, qu'il vient de me décrire là... Je le confirme, je le signe parce que c'est vrai. Ce qu'il vient de me dire là, ce que je viens de vous lire, vous me le confirmez. Hein, c'est ça. Il s'est jeté sur ma voiture, que je l'ai pris, que je l'ai laissé à Estagel parce qu'il y avait toute la population dehors et un fourgon. Éventuellement, je serais moins formel si c'était police, mais je crois bien que c'était pompier. Alors, je vais vous dire exactement... Ça, c'est sûr. À ce moment, tout était rentré dans l'ordre. La tension était retombée. De là, nous nous rendons au restaurant dit l'Entrecôte. Quand nous arrivons au restaurant, il y avait beaucoup de monde et quelqu'un me fait réaliser que j'ai saigné à la main. Mademoiselle Jimenez, Anne-Marie me lave la main. Et nous nous mettons, Pena, Diaz et moi, à une table et buvons un verre. Et là arrive Monsieur Georges Riel qui me dit qu'il a planté Raphaël à côté du bar du commerce. Vous voyez où se trouve l'Entrecôte? Oui, mais voilà, mais c'est par là que vous l'avez pris. Et quelques instants après arrivent les gendarmes qui emmènent Monsieur Riel. Je décide alors de partir sur les lieux pour voir ce qui s'est passé. Je monte dans ma voiture et la femme de Riel m'enlève les clés. Et c'est donc là qu'il s'est précipité dans la voiture, donc c'est au niveau de l'Entrecôte. Voilà, mais quand j'ai parlé de garage, c'est je parlais de l'Entrecôte. Je précise. Parce qu'il y a deux garages. Il y a le premier qui est l'Entrecôte. Donc ce qu'il dit là est vrai, c'est ça qui est important. Voilà. Ou qui importe, vous comprenez? Là, oui, non, mais là, on est d'accord. Mm-hmm. Bon, bon, bon. Alors, je vais quand même noter, à l'époque, je n'avais pas fait l'objet d'une audition, ni de la part des gendarmes qui ont été saisis dans un premier temps, ni de la part des policiers, ni du juge. Personne qui est venu là. Ni du juge. Attends, je vais le préciser ça. Un an environ après les faits. Attendez, je dis un an, mais quand monsieur a dit 94, ça peut être 2003. Hein. Pardon ? Quand monsieur a dit, il m'a rappelé que le feu s'est déroulé en 93 ou en 93, donc vous voyez, j'avais dit au préalable un an après, ça peut être 2 ou 3, parce que moi, ah bon, l'effet ouais. Un an. Remonter à 4 ou 5 ans. Plus d'un an. Oui. On va le mettre comme ça. Oui, voilà, plus d'un an. Plus d'un an après les faits. J'ai simplement reçu la visite à l'école où je travaille. À l'école, là, dans le cinéma. Où je travaille. D'un homme. C'est-à-dire qu'il me montre une carte. Si qui s'est présenté comme étant un policier. Dans oui. Un policier. Un judiciaire, je ne sais plus. Je ne sais pas s'ils étaient un ou deux en plus, je me souviens. Un policier. Il m'a posé des questions sur les événements de cette soirée. De cette soirée, mais il ne m'a pas fait signer de procès verbal, c'est ça? Oui. Et les questions, elles sont sensiblement les mêmes que les nôtres. Par la suite, je n'ai plus jamais eu de nouvelles. Je n'ai plus jamais. Si ça avait été un procès verbal, il m'aurait laissé un double, je suppose. De nouvelles. C'est le cas où je me souviens vraiment. On les relit, on les signe, on les... Oui. Mais moi, je ne suis pas policier, vous avez compris, hein, je suis agent de recherche privé. Alors, vous êtes Olga Mongilo, M-O-N-G-U-I-L-O-D. Voilà. Vous êtes directrice de l'école maternelle? C'est ça. Rectrice de l'école maternelle. Quelles sont vos dates et lieux de naissance? Je suis né le 5 avril 52 à Perpignan. 5 avril
votre lieu de résidence. Perpignan. Une vraie résidence plus précise. Ah oui, pardon, si, oui, oui. 51 rue des Remparts Saint-Mathieu à Perpignan. Remparts Saint-Mathieu. À Perpignan. Très bien. Et votre maman m'a donné votre téléphone, hein, donc je l'ai déjà. Très bien. C'était au cas où je vais vous joindre, mais non, j'ai préféré passer. Et je vais vous expliquer un petit peu ce qui va se passer. Moi, je suis saisi par cette association qui est présidée par Roland Huret, oui, et par le comité de soutien qui défend, oui, ces jeunes gens. Et il y a une avocate, bien évidemment, qui suit le dossier de Marseille, Maître Caramidas. Et nous allons essayer de constituer un dossier de manière à déposer ce qu'on appelle un recours en révision. Oui. Parce que le jeune, là, le jeune Marty, est-ce que l'affaire est complètement jugée ou non? Parce elle est jugée, il a été condamné de manière définitive. Et le plus extraordinaire, c'est que c'est lui qui a été le plus sévèrement, le plus lourdement condamné, plus lourdement que celui qui a donné les coups de poignard. Ah, d'accord. Et donc, s'il s'agit d'une erreur judiciaire, ça serait très grave, parce que c'est un jeune homme. En fait, il avait 18 ans à l'époque des faits, je ne sais pas si vous vous rendez compte de la gravité de la chose. Et ce qui est étonnant, c'est que les services de la gendarmerie avaient conclu dans un premier temps à l'innocence totale de Marty. Et à la suite d'interventions de la part de certaines parties, le juge a décidé de dessaisir la gendarmerie, de saisir le SRPJ de Montpellier. Et eux ont fait une enquête qui aboutit à la culpabilité de Marty. Et actuellement, il proclame son innocence de la manière la plus virulente qui soit. Et je suis là pour vérifier la vérité. Oui. Non, mais c'est vrai, ça, de toute façon, c'est vrai. C'est Marty, je ne le connais pas, je veux dire, ni Duhaime, ni Adam. Très bien. Ni ses parents, ni lui, je suis objective par rapport à ses faits. L'histoire est vraie, par contre. Maintenant, il faut vérifier les faits. Oui. Est-ce que, et là, je vais peut-être vous demander quelque chose qui vous ennuyer, demain, avec la presse, on va essayer de faire un chronométrage à Estagel. Des faits, il y aura plusieurs témoins qui étaient présents sur les lieux. Est-ce que vous embêterait de venir? Demain, c'est à quelle heure? Alors, à quelle heure on commence? Dans la matinée? C'est dans la matinée. Non, pas du tout. Non. Fin de matinée. Oui, fin de matinée. Et dans l'après-midi. Je vous laisse aussi. Voilà, laissez-moi vos coordonnées. Vous m'écrivez vers quelle heure? Soyez précis aussi, vers quelle heure vous allez. Alors, est-ce que je pourrais vous appeler? Je vais vous laisser mon portable. Attendez, demain, c'est jeudi. Demain, oui, c'est férié. C'est pour ça qu'on le fait ce jour-là, parce que comme ça, il y a plusieurs personnes qui vont venir, même de loin. Je vous mets mon téléphone portable au dos. 06-09. Nous allons regrouper plusieurs personnes. Donc, les heures ne sont pas évidentes pour tout le monde. On n'est pas libre au même moment. Sera présent, monsieur Agré. Alors, j'ai vu que vous le connaissiez. Qui ça? Monsieur Agré. Je connais monsieur Agré. De réputation. Ah oui, oui, parce que vous avez... C'est Roland Agré. Oui, parce que vous avez prêté à votre maman un livre qu'a écrit Roland Agré. Je l'ai vu hier et on en a parlé ensemble. Oui, je sais même pas, elle m'en a parlé hier au télé. C'est pour ça qu'elle m'a parlé de ce livre hier au télé. Ah ben ça J'ai fait comme je ne me souvenais même pas si je ne me souvenais pas de lui avoir prêté ni rien. Mais bon, j'ai toujours plein de livres que je transporte et j'essaie de voir ce qui pourrait lui plaire. Vous intéressez un peu aux erreurs judiciaires? Oui, pas plus qu'autre chose, non. J'essaie de sélectionner pour ma mère ce qui pourrait l'intéresser à elle. Sinon, c'est pas mes lectures. Ah, je pensais que c'était... Non, c'est pas mes lectures. Vous étiez fan de Roland Agré? Non, pas forcément. C'est pas le cas. Mais après, je veux dire, je peux l'être. Je vais demander de vous préparer son dernier livre. Oui, non, mais alors c'est un hasard, mais non. Sinon, je dis que... Mais il vous le donnera quand même. Comment? Il vous le donnera quand même. Bon, ça d'accord, hein? Ça je veux bien, par contre. Je vous donnerai le mien. Comme ça, oui. Sans la faire en maradage. Nous le lirons ma mère et moi, oui. Hein? Bon, d'accord, oui. Alors, voilà. Il y aura la... Je vais venir, parce qu'en général, je vais voir ma mère, vous avez de la chance. Alors, je vous propose vers 11h, je pense. L'après-midi, c'est pas mieux. Oui, mais vous pouvez même venir déjeuner avec nous, on va déjeuner sur place. Non, déjeuner, ça ne va pas bien, parce qu'en général, j'organise... Moi, je suis débordé du boulot. Oui. Mais à partir de 14h, ça me va mieux. Très bien. Ça me va mieux. On compte sur vous. À 14h, et je m'imagine qu'on va manger justement dans ce restaurant là qui s'appelait l'Entrecôte avant. C'est à l'entrée, oui, là, oui, là ça, je sur une table. Oui, voilà. Et à ce moment-là, vous nous rejoignez là. D'accord. Hein? Je compte vraiment sur vous. Est-ce que vous avez un téléphone portable? Ah non. Non. Alors,
Non, mais je crois que je vais en avoir un pour la fête des bears. Ah, très bien. Non, sinon... Bon, très bien. Et bah, écoutez, je vous remercie beaucoup pour votre témoignage. Bon, 14h là-bas, d'ici là, je vais y réfléchir, en plus, si j'ai des questions complémentaires. Mais en fait, je crois que vous m'avez dit l'essentiel aujourd'hui. Voilà, maintenant, il n'y a que l'heure qui peut être sujet à caution. Oui, mais l'heure, on doit pouvoir l'établir grâce à la présence de tous les autres, les autres témoins. Mm-hmm. Quand oui, on sait à peu près à quelle heure le... Donc visiblement, l'événement était arrivé, ça c'est évident. Voilà, l'événement était arrivé, l'ambulance était déjà là. Et même, nous regarderons, puisqu'on va prendre à ce moment-là plus de temps, hein, vous voyez, j'ai pris le dossier. Donc regarderons les documents officiels pour savoir dans les heures d'arrivée de l'ambulance, etc. Et donc à quelle heure vous avez pu, vous, à peu près arriver. On essaiera de le déterminer ensemble. Hein? Et puisqu'on prendra un peu plus de temps ce moment-là demain. Parce qu'on veut faire simplement le chronométrage. Alors, ce qui est extraordinaire dans cette affaire, c'est d'abord que vous n'ayez pas été entendu. C'est quand même étonnant. Parce que quand on présente un alibi, il faut quand même le contrôler avant de condamner quelqu'un. Et la deuxième chose, c'est que ces jeunes gens avaient demandé une reconstitution. Ce qui se fait toujours dans la matière criminelle. Et on leur a refusé. Pourtant, la reconstitution aurait certainement démontré l'impossibilité matérielle pour les trois jeunes de se trouver sur place. Et alors demain, on va essayer de faire un chronométrage comme ça, avec nos petits moyens, hein, pour vérifier s'il y a des incohérences dans la version administrative. Voilà. Il y aura presque un peu de gens comme ça qui vont venir contrôler ce qui se passe. Mais écoutez, merci beaucoup. Bon. Et puis je compte vraiment sur vous, hein, que c'est... Si c'est bête qu'ils soient incarcérés, ça c'est sûr. Parce que ça, alors, si ça suffit à... Pour l'instant, c'est trop tôt pour pouvoir se prononcer, hein, mais... Ça n'a pas pu arriver, ah mais non, ça n'a pas pu arriver avant, sinon pourquoi il y aurait eu tous les stagiaires sur la place? Non. Alors si vous me dites qu'il y avait l'ambulance, c'est que c'était déjà arrivé. Oui. Parce que j'ai toute la chronologie des faits qui était établie aussi bien par la police et la gendarmerie, et tout démontre... Ah oui, tout démontre... qu'il n'y avait pas d'ambulance avant. Les pompiers ne sont arrivés que parce qu'il y a eu ce crime. Donc si vous me dites qu'il y avait la police la population, visiblement, il était ou les pompiers, c'est que forcément le crime avait été. Et dans l'état où il était, parce qu'il était bon, des jeunes qui boivent à Estagel, j'en connais Estagel comme ailleurs, mais dans l'état d'agitation, il y avait quelque chose en plus que l'alcool, parce que je n'aurais pas pensé à l'alcool, il y avait un événement grave, il était vraiment... Oui. Sinon, je ne sais pas comment il était d'habitude. S'il y avait moins de problèmes, vous me prévenez. Vraiment. Nous comptons sur vous quand même. De loin, vraiment. Merci beaucoup. Je ne vous raccompagne pas, je ne l'ai pas fait. Merci beaucoup. Voilà, au revoir. Donc, écoutez, à demain. Alors. À 14h, oui, mais non, ne vous inquiétez pas. Voilà, merci. Au revoir, merci. Voilà. Excusez-nous vous de vous avoir dérangé. Couloir, là, Très bien. Parfait. Merci. Au revoir. Oui. Alors. Vas-y, je vous suis. Et infirme la version de l'administration selon laquelle il était sur les lieux du crime. Est-ce qu'on peut parler de rebondissement dans l'affaire? C'est que, écoutez, je pense qu'on peut considérer ça comme un rebondissement. On va essayer maintenant, avec la présence de cette jeune femme sur les lieux, de bien démontrer l'impossibilité matérielle qu'avait Stéphane Marty de se trouver sur les lieux. Et là, c'est un élément nouveau, susceptible d'apporter un doute quant à la culpabilité de la culpabilité. Pardon. Vous avez comme ça. Qu'est-ce que vous avez entendu? Ah merde. Et j'ai même pas eu besoin de te faire intervenir.
Non, du coup, je lui dis, si vous voulez le voir, faut venir. J'ai une image. Mais elle est pas, je suis fan. Elle est pas, je suis fan. Il y a une image. Oui, oui. Bon, bah c'est bon. C'est bon. C'est bien.